Oui, quand une femme voit briller le regard d'un homme, elle a le droit d'y croire un petit peu, non? Donc, il y a bien quelqu'un. Oui, comme pour votre dernier menu, vous en faites beaucoup trop. Cette discussion est-elle strictement professionnelle? J'ai compris le message. Oui, c'est-à-dire? Vous n'êtes pas qu'une jolie femme. Essayez de garder ça en tête. Lelo, je voudrais vraiment que nous arrivions à travailler ensemble. Moi aussi. Ce sont eux qui m'ont élu conseiller municipal. C'est pour moi que les gens votaient, je te rappelle. Les gens ne choisissent pas leur chef de village. Ils doivent juste vivre avec. Hey. Arrête, laisse-le s'en aller, ne dis rien. Une vipère, Jack! Elle m'a mordu la main! Est-ce que les antidouleurs ont fait effet? Vous avez eu beaucoup de chance, un seul crochet a transpercé la peau. Vous allez vous en sortir. Tu crois que c'est évident de se détendre à côté de toi? Maman, tu rendrais n'importe qui dingue. Je ne trouve aucun moniteur de conduite pour ma fille. Vous avez un moment aujourd'hui? Excusez-moi, patron. C'est pour Stepanov. Tu aurais pu attendre que j'ai fini. Il pense qu'il est dans le Nord-Ouest. C'est un psychopathe. Il ne peut revenir que pour une seule raison. Se venger. Interpol pense que Stepanov est de nouveau dans la région. Qu'est-ce qu'il veut? Je vais poser mon verre, d'accord? Je vous déconseille de faire ça. Ah oui, vraiment. Je suis resté des jours dans la brousse à me cacher, à vivre comme un chat errant. Et vous savez ce qui m'a permis de tenir? Je rêvais tous les jours de ce moment-là. Attendez, écoutez-moi. Écoutez-moi très attentivement. Si vous faites ça, si vous tuez un flic, votre rêve va devenir un vrai cauchemar. Vous croyez que ça me fait peur? Je peux vous faire disparaître tellement bien que personne ne retrouvera jamais votre corps. Dans ce cas, vous perdrez le seul ami que vous avez par ici. Vous le savez bien. Vladimir, réfléchissez. C'est pas la meilleure stratégie. Tout le monde vous recherche, vos collègues, Interpol et même votre mère. Da. Et aussi mes associés. Je n'ai pas livré la marchandise. Ça explique pas pourquoi je me retrouve avec un couteau sous la gorge. Vous avez laissé Itumeleng nous doubler, nous tendre un piège. Maintenant, vous restez tranquillement chez vous, alors que moi, ça fait des jours que je ne dors que d'un œil. Alors, vous allez m'aider. On va trouver un arrangement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va oublier tout ça, d'accord? On va juste oublier tout ça, c'est tout. Vous allez me sortir de là. Si vous refusez, vous et moi, on partagera la même cellule. Et ce n'est pas dans votre intérêt. Ok. Dites-moi, c'est quoi le plan? On verra ça. Mais en attendant, je suis un fantôme. Personne, et surtout pas Itumeleng, ne doit savoir que je suis là. Très bien. Itumeleng n'en saura rien. Vous savez comment on m'appelle dans mon pays, en Russie? Vlad le Tepich. Vous savez qui c'était? Vlad l'Empaleur, Dracula. On retrouvera votre tête empalée sur une des pointes de votre clôture de jardin. Essayez encore une fois d'attraper votre fringue, et c'est ce que je ferai. Tu te fais mordre par une vipère et tu restes toujours aussi jolie.
Je sais pas comment tu fais. Je crois que j'ai vraiment beaucoup de chance. Téléphone d'Angie. Qui est à l'appareil? Non, 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 je suis pas le médecin, pas du tout. Non, elle serait mal si c'était le cas. Et vous, vous êtes? Madame Palmer? Ah oui, sa maman. Enchanté, désolé, moi c'est Jack. Van Renan. En fait, je suis l'un de ses... de ses amis. Oui, oui, un ami très proche, on peut dire ça. Ah, elle a dit ça? Alors, oui, je crois qu'on peut dire ça, oui. Oui, elle va bien, oui. Ah non, elle dort pour l'instant. Oui, la vipère n'a planté qu'un seul crochet, alors le venin n'a touché que la main, heureusement. Le médecin dit qu'elle devrait pouvoir courir un marathon dans très peu de temps. Oui, madame. D'accord. Non, 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 je prendrai bien soin d'elle, ouais. Ok, Kelly. Kelly, je m'en souviendrai. Oui, d'accord, je lui dirai dès qu'elle sera réveillée. Ok, oui, bien sûr. Au revoir. Tu dragues des filles pendant que je suis dans le gaz? Charmant. En fait, c'était ta maman. Oh. Alors, qu'est-ce que tu fais? Repose-toi et profite de la morphine. Elle a dit qu'elle te rappellerait. Qu'est-ce que je ferais sans toi? Moi, je sais. Tu devrais éviter les serpents quand je suis pas là. Je ne suis pas né avec le sens de l'humour, c'est clair. Je ne plaisante pas, Rousseau. Je vous jure que vous et tous mes lingues, vous allez tomber avec moi. Oui, vous avez été parfaitement clair. Tellement clair que je l'aurais même compris en russe. Très bien, écoutez, vous pouvez vous cacher ici pendant quelques temps. Le temps de reprendre votre souffle. Le temps de trouver une solution. Mais ça, c'est votre job. Je veux une carte d'identité, je veux du cash, un billet d'avion pour sortir du pays, une arme, et surtout pas de flic sur le dos. Je suis qu'un simple flic. Je suis pas James Bond. Ça prend du temps, ces trucs-là. On n'a pas le temps, alors débrouillez-vous. Plus je reste ici, et plus ça devient dangereux pour vous. Soyez réaliste, deux minutes. On n'est pas dans une situation réaliste. Si mes associés découvrent que je me cache ici, d'abord ils me tueront très lentement et ensuite ils se débarrasseront de vous. Vous n'avez pas intérêt à les contacter, c'est compris? Mes chers amis, moi, Kennedy Lebata, je représente cette communauté. Même si je ne réside pas ici, ce village est profondément ancré dans mon âme et dans mon cœur. En tant que conseiller municipal et au nom de mon administration, j'aimerais vous présenter toutes mes excuses pour avoir tardé à installer ce panneau stop ici. Je vous fais également la promesse que le gouvernement ne décevra plus jamais les membres de cette communauté. Je m'y engage. Il a l'air vraiment bien, cet homme-là. C'est quelqu'un comme lui qu'il nous faut ici. Oui, c'est certain. Merci, messieurs les bâtards. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Merci. Je vous en prie. Merci pour ce panneau stop, ça va sauver des vies. C'est moi qui vous remercie. Non, mais regarde-le. Il a juste mis un panneau stop et il agit comme s'il avait rédigé la Constitution. Bonjour. Qui a dit qu'on ne pouvait pas tromper les masses? Je ne comprends pas les gens, parfois. Les gens ne réfléchissent pas et se font avoir. Ouais, en tout cas, garde ton calme et évite les attaques personnelles. Je sais. T'l'a dit et t'l'a dit. Toujours en retard pour la fête, hein? Toujours le premier pour l'organiser. Hein? Alors, comment vas-tu, mon ami? Je ne suis pas ton ami. Oh. Bonjour, comment ça va? Reste zen, frangin. Ouais. On était amis avant, Itumeleng. Qu'est-ce qui s'est passé? On devrait travailler ensemble. Travailler? Tu appelles ça travailler? Comment tu appelles ça, toi? De la comédie. Et je n'ai pas envie de jouer une scène avec toi. C'est quoi ton problème? On se connaît depuis des années. Et là, tu décides de t'en prendre à moi comme ça. Le passé, c'est le passé. Aucun intérêt. Un peu comme ta soi-disant... carrière. Elle a l'air en pleine forme. C'est super. Oh oui. Lebata a l'air vraiment très bien. Maintenant, on a un panneau stop grâce à lui et la jambe de Dineo sera bientôt guérie. Ouais.
C'est bien ce qu'il a fait. Je vais finir par croire que ce lodge est maudit. Ouais, c'est dingue. Andy aurait pu mourir, tu te rends compte? Finalement, la brousse est encore plus dangereuse que la ville. Ouais. Heureusement, elle va bien, c'est le principal. On devrait lui envoyer un bouquet. Ouais, je pourrais lui apporter. Ça ne va pas être trop dur de retourner à l'hôpital? Non, ça va aller. Ouais, t'inquiète, ça va aller. Je suis une grande fille maintenant. Si tu le dis. Prends des fleurs de notre part à tous et demande à Bernie de faire un gâteau. D'accord. Une minute. Tu y vas avec qui? Blessing a dit qu'il m'accompagnerait après le cours de conduite. Tu es sûre qu'il t'apprend à conduire et rien d'autre? Je peux savoir ce que ça veut dire, ça? Eh bien, je sais que tu ne rends pas les garçons indifférents et on est tous humains. Tu serais déçue si la fille que t'as éduquée ne choisissait pas mieux que ça. Non, c'est vrai, Blessing est un gentil garçon, mais il est surtout gentil et pas très sexy. Enfin, c'est un intello. Il n'y a pas de passion. Tu sais, il manque de... Tu vois ce que okay, je veux dire? Ça suffit, je ne veux pas savoir. Contente-toi de l'écouter. D'accord? D'accord. J'ai hâte que tu puisses m'emmener en ville. Quoi? Sois pas trop pressé. Non, parce que Blessing me laisse même pas encore toucher les pédales. Il m'apprend le fonctionnement des moteurs à combustion interne. Je sais même pas ce que ça veut dire. Maintenant, je sais pourquoi il me plaît. C'est toi qui devrais sortir avec lui. Hey. Ça va, on se calme, je blague. J'en ai juste marre de la théorie. J'ai envie de passer la première un peu. À tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici? Deux raisons. Les vipères Hortense et Stepanov. Et laquelle en premier? Est-ce qu'Angie va bien? D'après ce qu'on m'a dit, la morsure aurait pu être pire et le médecin dit qu'elle sera vite rétablie. Ok, tant mieux. Et Stepanov? Je veux tout le monde sur le qui-vive. Je veux que tous nos rangers soient en permanence à l'affût. Ils pourraient être ici, dans la réserve. Je sais, calmez-vous, d'accord? C'est déjà fait, on s'en est occupé. Je suis désolée. Soyez pas désolée, je veux coincer ce salopard autant que vous, croyez-moi. La vengeance ne résoudra rien, Lélo, il faut rester calme. Calme? Tristan, je suis calme depuis le jour où mon époux a été mis dans un cercueil. Lélo, je suis... Non! Je ne veux plus me retenir. Tiro est mort. Et ce monstre continue de respirer, de manger et de dormir. Et si jamais il s'approche d'ici, je veux qu'il soit capturé et je veux qu'on me l'apporte à quatre pattes, c'est clair? Je veux qu'il paie pour ce qu'il a fait. Je ne lâcherai pas, Tristan, je ne le... Mais du calme, ça va aller. Ça va aller. D'accord, alors dis-moi, le tuyau d'essence est relié à... Le tuyau d'essence est relié au carburateur. D'accord, et les bougies sont reliées à quoi? Au distributeur. Tu veux savoir la différence entre le diesel et l'essence ou ça va aller? Tu m'as bien écouté. J'ai des oreilles. Et il y a un cerveau entre les deux, figure-toi. C'est pas la NASA, Blessing. D'accord. Allez, tiens, attrape. Merci. Alors, je peux conduire pour aller voir Andy? Attends, je te donne la main et toi, tu veux me prendre le bras tout entier. Faut pas rêver, non? Mais allez, pourquoi? Tu crois que tu es prête, mais tu ne l'es pas encore. Écoute, tu peux conduire un peu sur les routes de la réserve pendant une minute ou deux, mais ça s'arrête là. T'es encore pire que mon père, et à ton âge, tu devrais t'inquiéter. Monte avant que je change d'avis. Oui, papa. Allez, c'est parti. Mets le contact et vas-y doucement. Doucement sur l'accélérateur, s'il te plaît. C'était très bien. Bah ouais, je me débrouille. Bon, c'est bon, je peux aller jusqu'à l'hôpital? Pas question. Allez! Non. Quand on arrivera au bout, tu feras demi-tour pour revenir ici. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que ce n'est pas une bonne idée. Ta mère me tuerait si elle l'apprenait. Bonjour. Bonjour. Votre séjour se passe oui. bien? Ça va dans le grand chalet, tu sais, et tu peux t'en Parfait. Charger. Tu vas Je voir, suis c'est très heureux de vous accueillir. Il y a le numéro ici. Vous avez repéré quelque chose? Oui, regardez le rhino là-bas. Il est vraiment gros, celui-là. Ah, c'est super. Oui. Vous avez de la chance, c'est rare. Ça se passe bien? Ouais. Ah, voilà votre commande qui arrive. Bon appétit. Vas-y, je te rejoins dans une minute. Bonjour. Salut. Bonjour, Miss Monde. Pourquoi tu dis ça? Oh, j'en sais rien, je te trouve différente. On dirait même que t'es heureuse. J'avais raison, pas vrai? Je te l'avais bien dit hier. Il n'y a qu'un homme pour faire cet effet-là. Peut-être que c'est ça, mais je dis bien peut-être. Alors, qui sait? Vas-y, raconte. Ne t'emballe pas. Pour l'instant, il n'y a encore rien de concret. Mais je pense que ça ne devrait pas tarder. Seulement... Il est marié. Non. Mais je suis divorcée. Deux enfants à charge et je n'ai plus 20 ans. Qu'est-ce que ça peut faire? S'il te plaît, arrête de chercher les compliments. Tu sais que t'es canon. Oui, bref. En tout cas, tu sais, les hommes bien, ça court pas les rues de nos jours. Tu devrais te lancer. Tu crois? Bah ouais. Si un homme posait son regard sur moi là maintenant, je serais prête à l'épouser sur le champ. Qu'est-ce que tu fais de Kumo? Bah Kumo, c'est fini. Je vais pas l'attendre éternellement. Alors tu tournes la page? Ouais. Vladimir Stepanov. Une ordure au milieu de la brousse, ça devrait se remarquer. Tous mes rangers sont sur le coup. Et de votre côté? Vous voyez, c'est typiquement ce qui se passe quand les civils s'amusent à jouer au téléphone arabe. Karel vous a parlé de l'alerte lancée par Interpol, c'est ça? C'est strictement confidentiel. Affaire de police. Lelo a le droit de savoir, Rosso. Savoir quoi? Il n'y a rien de concret. C'est juste une rumeur. Tout ce qu'on sait, c'est que Stepanov serait en Tchétchénie. Ne me prenez pas pour une imbécile, inspecteur. Si Interpol pense qu'il est ici, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison, non? Écoutez, dès que j'ai plus d'infos, je vous tiens au courant. Alors pourquoi vous restez assis là pendant que ce meurtrier se promène dans la nature? Je vais voir ce que je peux faire. Bonsoir. Vous êtes une amie d'Itoumeleng, n'est-ce pas? Un peu plus qu'une amie, à vrai dire. Si vous le dites. Vous vous êtes installée dans votre chalet? En effet. Quelqu'un vous rejoint pour dîner? Je vais déjà retrouver mon plus qu'ami pour boire un verre. Salut, beauté. Salut. Je suis content de te revoir. Marong, tu te joins à nous? Non, merci. J'ai encore du travail. Ah. Alors, que me vaut le plaisir de ta visite? Eh bien, je suis ici pour des raisons professionnelles, mais je me suis dit que j'allais passer te voir pour me détendre. Ah. Ça fait tellement longtemps, bébé. Viens par là. Dis-moi à quel point je t'ai manqué. Je devrais te faire payer l'attente. Eh bien, pour toi, je le ferai sans hésiter. Jack, prends une photo. Quoi? Qu'est-ce que tu veux que je prenne en photo? Je veux montrer ça à mon frère, il adore les trucs un peu gore. Mmh, sympa. Oui, c'est assez propre. Oui, ça devrait guérir vite, Souris. Vous avez eu de la chance. Si j'avais eu de la chance, je me serais même pas fait mordre. Montrez. On va la laisser à l'air libre. Ma mère voulait que je vienne dormir chez elle. Ah ouais? Je lui ai dit que mon copain prenait soin de moi. Ton copain? Hein? Alors ça y est, j'ai mérité le titre. Ça suffit les enfants, arrêtez les cochonneries. Salut, qu'est-ce que tu fais là? Ah,
gâteaux et des fleurs. Ça rapporte de faire le ménage, à ce que je vois. Lui, il est né avec une cuillère à gâteau dans la bouche. Salut, madame. Ouais, c'est dommage que le serpent ait pas mordu sa bouche. Oh, désolée. C'est de la part de tous les collègues. Merci, je m'attendais vraiment pas à ça. On est une grande famille. Ma mère nous voit tous comme ses enfants. D'ailleurs, ça peut être agaçant. En tout cas, ça me fait très plaisir. Essaierais-tu de m'enivrer par hasard? Oui, alors? Oh, tu es vraiment mauvais, toi. Merci beaucoup. Tenez, vous pourriez me préparer Marang, ça. Marang, viens avec nous. Je ne bois pas pendant le service, merci. Je suis vraiment épuisée, tu me raccompagnes à mon chalet. Je suis un gentleman. Bonne nuit, alors. Bonne soirée avec votre travail. Marang. Bonne nuit. Ok. Mademoiselle? Ouais. Nelson? Oui? Tu peux me rendre un service? Raccompagne mademoiselle à son chalet. Bien sûr. Gentleman, d'accord, mais pas à ce point-là. Vous, monsieur, vous venez avec moi. Ken Sani a envie de s'amuser. Pas ce soir. Itumeleng, beaucoup tu rêves pour venir dans ma chambre et tout à coup tu fais le difficile. Je ne peux pas faire ça. Pas ce soir. Pourquoi ça? Je vais bientôt être chef. Je ne peux pas agir comme un type ordinaire. Écoute, les gens parlent beaucoup ici. Et je n'ai pas envie d'alimenter les rumeurs. Je suis désolé, bébé, c'est le prix du pouvoir. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, que je dois être responsable. Donc parce que tu vas être chef, ça veut dire qu'on peut plus s'amuser, c'est ça? Non, ça veut dire que je ne peux pas m'amuser avec... Avec qui? Avec qui? Finis ta phrase. Avec n'importe qui, d'accord. Alors pour toi, je suis juste n'importe qui maintenant. Ken Sani, je vais avoir de lourdes responsabilités. C'est pas un jeu. Tout le monde est logé à la même enseigne. Donc c'est comme ça. Bonne nuit. Je ne laisse pas n'importe qui me toucher. Désolé. Passe une bonne soirée. Nelson? Après vous, madame.